attention, l'intersection des pistes, Utobio qui commence à être actionné, qui a toujours l'avantage. Dans son dos, il y a Secret Chenu qui va essayer de se faufiler, avec également Sagat Virmont qui est là, Maldini Hockey qui se rapproche à l'extérieur, Jean-Michel Bazir qui s'est infiltré côté corde et qui a pris l'avantage sur Utobio. Incroyable, Jean-Michel Bazir qui s'est faufilé effectivement en dedans et qui prend le meilleur avec Secret Chenu, avec en deuxième position Utobio à l'extérieur, Sagat Virmont qui s'accroche avec Maldini Hockey. Attention à Tartan Vry qui va peut-être se rapprocher mais qui est encore assez loin. On est bientôt à l'entrée de la ligne droite avec le numéro 16, Secret Chenu, qui semble contrôler facilement. Même si Utobio tente de lui remettre la pression, Tip-Top Nellière est troisième devant Conrad Frédéric qui est là côté corde. Sagat Virmont qui est très sollicité, Trinity Gel qui va essayer de bien finir la ligne droite finale pour Secret Chenu qui a nettement l'avantage. Tip-Top Nellière qui vient en deuxième position devant Utobio et Conrad Frédéric. Oh, faute de Secret Chenu, incroyable, qui disparaît. C'est Tip-Top Nellière qui a pris l'avantage sur Conrad Frédéric, avec en troisième position Utobio qui lutte avec Trinity Gel qui finit fort. Conrad Frédéric sur le poteau qui va peut-être venir gagner à voir avec Tip-Top Nellière. Troisième place pour Trinity Gel devant Parkin et Tartan Vry. Ah, c'est très serré pour le succès. Peut-être le numéro 18, Conrad Frédéric, avec Jarmo Niskanen. On a eu un coup de théâtre en fin de parcours. Secret Chenu qui avait la course à sa merci s'est montré fautif. Et le cheval de Jarmo Niskanen a peut-être réussi à prendre l'avantage aux abords du poteau face à un gros outsider, le numéro 6, Tip-Top Nellière. Oui, c'est certainement gagné pour le 18. Bon, on n'est pas tout à fait sur le poteau là, mais il y aura photographie donc entre le 6 à 55 euros et le 18 à 7,70 euros. Troisième place pour Trinity Giel, qui a trouvé les ressources nécessaires pour venir chercher la troisième place à 10 euros. Quatrième place pour un très gros outsider, le numéro 13, Parking, qui était à 76 contre 1. Et la cinquième place revenant certainement au numéro 10, Tartan Vry.